Terre est l'exemple de la chute catastrophique au terme d'une série de punitions. Il serait intéressant de repérer dans l'Évangile une femme, mais suivie de la petite phrase. Saint-Luc, il suivait Jésus de loin, au verset 54, de loin. Et suivre Jésus de loin, tous les pères de l'Église l'ont interprété ainsi. Bien sûr, il y a un sens littéral, c'est clair, toujours, allez, il suivait de loin. Mais le sens spirituel, c'est ce que tous les auteurs appellent la piédère. La piédère. Et la piédère, c'est le refus permanent du magisme. Vous pouvez vous reporter à ce texte de l'Apocalypse, bien connu, chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Plus d'adieu que tu fusses froid ou chaud. Aussi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de la bouche. Ce mot vomir en grec a une saveur. Ah oui, Jésus avait déjà employé ce mot comme une saveur comme consonant. Il avait déjà employé ce mot au chapitre 16e de Saint-Luc lorsqu'il s'adressait aux pharisiens, et cela immédiatement après la parabole de l'enfant prodigue. Il se retourne vers les pharisiens et il leur dit, quant à vous, je vous vomis. Et c'est le verbe déluxomal. Déluxomal, vomissement. Vous me donnez la nausée. C'est le même mot qui est employé dans l'Apocalypse. Je te vomirai de ma bouche. Alors la piédère, eh bien, c'est une habitude de négligence. Et si vous êtes en contact avec des jeunes, ils seront toujours sensibles à ce qui sera de votre part exigence de cœur. Refus de la retraite et des tabus. Et nous devons penser qu'il arrive que ce soit les religieux qui donnent l'exemple des tabus par rapport à leur propre contribution. Alors c'est ce que Cassien, un grand spirituel du 4e siècle, appelle l'asceria. Asceria, c'est-à-dire la paresse, la lourdeur spirituelle. Je voudrais que vous sentiez tout ce qu'il y a de vilain dans un mot comme relâchement. Le relâchement. Le mot a quelque chose d'affreux. Le relâchement, c'est tout autre chose que la détente. Détente, c'est un beau mot qui implique tension. Il y a une tension et il y a donc des moments de détente. On se détend, mais ce sera pour se retendre. Le relâchement, c'est tout autre chose. Le relâchement, au fond, c'est le vieillissement de l'amour. Rien de plus douloureux que ces ménages que nous en voyons parfois, que vous n'y a plus vraiment. Enfin, l'amour a vieilli. Ils n'ont pas su garder leur amour jeune. Quand on en prend conscience, dans un foyer par exemple, ou dans une petite communauté, c'est extrêmement douloureux. Lorsque les délicatesses de l'amour ne sont plus spontanées. Moi j'ai eu beaucoup de confiance par le genre de cette fille. Oui, ma femme, mais songer, elle m'a. Mais voilà, elle n'a pas songé à ma fête pour mon anniversaire. Oh, bon, toi, ah, l'an dernier, elle y avait pensé. Autre
quelquefois, elle n'aurait jamais eu. Alors je dis, c'est vrai, c'est vrai. Tout ce qu'on pourra trouver comme excuse, pas besoin, c'est vrai. Périssement de l'amour, vous voyez, relâchement du lien communautaire. Alors c'est tout cela le pédin. Et ça aboutit à la fausse pudeur. C'est-à-dire la pudeur dans les domaines où la pudeur n'a pas de raison d'être, mais où elle est le fruit de cette timidité à base d'orgueil. Alors là, on a affaire à une pseudo-communauté. Et comme dit Sartre, alors c'est la mauvaise foi à l'intérieur de la bonne foi. Tout ce qui gêne aux entours, tout ce qui gêne aux entours, n'est-ce pas, tout ce qui oblige à une certaine rigueur, on dira que c'est du formalisme. Et c'est bien vrai qu'il y a souvent du formalisme dans certaines pratiques. Bien sûr, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour taxer le formalisme, tout ce qui vous gêne. Je pense que, en 1972, nous devons être les apôtres de la rigueur et de la vigueur spirituelle dans un monde de relâche. Nous devons comprendre, bien sûr, la charité de l'intelligence, écouter les autres, les comprendre, bien voir ce contre quoi ils protestent, ce qu'ils contestent. Il ne faut jamais que cela aboutisse à des concessions quand il s'agit de l'essence. Une dite concession ne peut pas être utilisée autant que je m'en apostolise. Et bien, pour ce qui est de Pierre, il suivait Jésus de loin et voici maintenant qu'il le reprit. Et il a suivi pour cela d'une petite conversation tout à fait ordinaire avec des gens sans importance. Tout un petit peuple de portiers, de servants, de factionnaires. Il ne leur connaît qu'elles amis. Il met une distance entre Jésus et lui. Il le suivait de loin. Il gardait ses distances pour ne pas risquer d'être arrêté. Et tout d'un coup, il met la plus grande distance possible. Je ne le connais pas. Renier quelqu'un, c'est le nier. Ce que c'est que nier quelqu'un, et c'est vouloir qu'il ne soit pas. Vouloir qu'il ne soit pas, je ne connais pas cet homme. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'il est pour moi comme n'étant pas. Je voudrais bien qu'il ne soit pas. Vous mesurez la gravité du reniement de Pierre. Si vous comparez la déclaration de Jésus au chapitre 10e de Matthieu, verset 33. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Et renier dans ce texte-là s'oppose à confesser. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Qu'est-ce que c'est que confesser quelqu'un ? C'est se déclarer solidaire. Pierre aurait dû se déclarer solidaire de Dieu. Au lieu de cela, il le nie. Ce que nous appelons les confesseurs de la foi, les martyrs, ce sont ceux qui se sont déclarés solidaires de Dieu. Qui ont affirmé qu'il ne lui appartient. On vous traînera devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi. Matthieu 10, 18. Et dans le même chapitre, au verset 39,
celui qui perdra sa vie à cause de moi la possédera. Pierre renie Jésus, il refuse de perdre sa vie à cause de Jésus. Il refuse la solidarité avec lui, il le nie. Il est comme n'étant pas. Si vous trouvez des excuses à Pierre, il a peut-être pensé que ce n'était pas là le véritable renouvellement. Que ce n'était pas le cas d'appliquer à sa négation, trois fois répétée, la prédiction du Christ avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Pour le dire entre parenthèses, il y avait deux chants du coq, l'un vers minuit et l'autre vers 3h du matin. Et les Grecs et les Romains donnaient même le nom de chant du coq à l'hectorophonia. Chant du coq à toute la période qui s'écoule entre ces deux moments, le chant du coq à minuit et le chant du coq à 3h du matin. Entre minuit et 3h du matin, c'était le temps du chant du coq, avec la rouphonia. Matthieu, Luc et Jean considèrent le deuxième moment comme l'unique parce qu'il était en effet le principal. Donc, je ferme la parenthèse, une petite information. Pour Pierre, même c'est curieux, il se sentait le courage de témoigner devant le Sanhédrin et devant Pilate. Alors, il s'est passé quelque chose. Quelque chose s'est glissé en lui. Et ce quelque chose, c'est la peur. C'est la peur. Vous savez, à la base de toutes les lâchetés, il y a la peur de mourir. Et sinon de mourir totalement, au moins de mourir partiellement, c'est-à-dire de perdre quelque chose de son bien-être, de sa tranquillité, de son confort. C'est toujours ça qui est à la source des lâchetés. On est prêt à marcher sur une corde, père et mère, pour ne pas perdre quelque chose à quoi on tient, quelque chose de sa richesse. Alors, Pierre cherche des prétextes pour se dérober. Et c'est bien ce que ça appelle la mauvaise foi. Le prétexte, c'est le signe de la déloyauté. Ici, ça n'en vaut pas la peine. À quoi bon s'exposer devant ces gens-là, des portiers? À quoi bon jeter au pourceau les perles du témoignage? Ah, il y a peut-être aussi chez lui de la honte. En tout cas, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est privé de tout pathétique et de toute grâce.